Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi. Alors là, mesdames et messieurs, sachez que ça ne va pas du tout. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai ça là. Hein? C'est quoi ce délire là? Aujourd'hui, nous venons d'assister au premier match officiel du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que nous avons vu? 0 but. Combien d'actions? 1, 2, 3 actions. On a eu le ballon pendant tout le match. Et on n'a pas pu mettre de but, se créer des occasions, se mettre dans la position de marquer des buts. Hein? Donc c'est ça le Paris Saint-Germain que vous commencez. Hein? Vous avez recruté 40 joueurs. Vous avez mis Neymar sur le côté. Vous avez mis Verratti sur le côté. Tout ça pour faire 0-0. Nous, vous pensez que nous, on est là pour récupérer les ballons? Hein? C'était très bien dans la récupération du ballon. Oui! Dans la possession du ballon. Oui! Mais le match, c'est de marquer un but. Il faut qu'on vous explique encore une fois quelles sont les règles du football. Mesdames et messieurs, les joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, Kang In-li fait des bonnes choses. Oui, Ugarte fait des bonnes choses. Mais c'est pas assez. Nous voulons des buts. Vous comprenez? Donc là, on est parti recruter des joueurs à droite, à gauche pour qu'ils viennent faire de la figuration. C'est ça, hein? Donc là, le premier match du Paris Saint-Germain se solde par un match nul. On a l'équipe de Marseille qui vient de remporter son premier match. Ce qui veut dire que l'Olympique de Marseille est premier ou je sais pas combien. Et nous, on est combien là? Hein? C'est la première fois depuis 2019 ou 2021, je sais plus quelle année, qu'on n'a pas fait de match comme ça. T'entends ce que je suis en train de t'expliquer ou pas? Tu comprends pas? La première fois qu'on a commencé la saison par un match nul, on a perdu le championnat. Voilà. Écoutez-moi bien. Donc là, aujourd'hui, je suis plus que fâché suite au match nul du Paris Saint-Germain. J'espère que la semaine prochaine, ils vont aller à Toulouse leur montrer que le football, ça se passe au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. Vous allez voir. Parce que là, vous faites les malins. On n'a pas pu mettre Dembélé. Voilà, on a mis des joueurs absolument incroyables au loft pour faire ça. Voilà, on est parti recruter des joueurs et on est toujours orphelin de Mbappé. Mbappé qui dit qu'il va rester cette saison, il a intérêt à rester. Sinon, nous allons commencer à jouer dans les égouts. On va voir les Tortues Ninja, on va voir Splinter Cell. Là, je suis vraiment très énervé. Sachez, mesdames et messieurs, que je n'accepterai absolument pas que le Paris Saint-Germain se trouve dans les abysses. Comment ça se fait que Neymar Junior n'est pas là? Combien de buts il aurait pu mettre ce soir dans ce match complètement fermé? Le roi, vous le mettez sur le banc. Le roi, vous le mettez en dehors de l'équipe, sous prétexte qu'il va au McDonald's. Mais qu'est-ce que ça vous... Depuis quand ça vous regarde? Hein? Ce que les joueurs ils font après les matchs, c'est ça qui vous regarde, c'est ça qui... Donc là, on va aller vendre Neymar Junior à un club qui va venir nous fracasser l'année prochaine. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? On va aller vendre Verratti qui va venir nous donner le tournis l'année dans une autre équipe. Il va se retrouver contre nous. Il va nous donner le tournis. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Je suis pas d'accord. Alors là, j'en ai rien à faire que Kylian Mbappé, il s'en aille ou il s'en aille pas. Le prochain match, il a intérêt à être sur le terrain. Avec Dembélé, avec Neymar Junior. Mais c'est n'importe quoi! Neymar, Dembélé, Mbappé, vous les écartez. On est où là? Hein? On a la possibilité de faire la MND. Et puis vous nous faites des matchs nuls. Franchement, là. Ouais.